Je suis en compagnie de l'un, je pense, des hommes les plus heureux du monde à l'heure actuelle, chers amis, c'est Daniel Lacassagne, qui est le co-éleveur de Flamboyante, qui a remporté le Grand Prix des Pouliches à 12,5% ici à Table à Loubert. Mon cher Daniel, félicitations. Merci. Racontez-moi mon émotion, qu'est-ce que ça fait de voir sa petite protégée comme ça gagner dans une journée comme celle-ci, comme celle des ministères anglo-arabes à Toulouse? Une énorme boule au ventre, beaucoup de stress et une grande joie à l'arrivée. C'est le premier produit de Flambé, Flambé qui nous avait déjà apporté énormément de joie. Comme toutes les filles de Folie. Et aujourd'hui, Folie est encore là. C'est Flambé, la petite fille qui gagne. Et le meilleur est à venir. Il y a un autre petit-fils à Folie qui va courir maintenant. Et il y a Furieuse, la dernière de Folie, qui va courir tout à l'heure. Alors, on va sûrement se revoir. Et puis, ce qu'il y a de formidable, c'est l'impression visuelle aujourd'hui. Je trouve qu'elle a vraiment montré quelque chose. Elle a vraiment une pointe de vitesse. En la laissant tranquille comme ça derrière, il ne faut pas hésiter à ne pas s'intéresser à la course. Et elle finit vraiment très très fort. C'est vraiment le propre des bons anglos. Il y a très peu d'anglos qui ont un changement de vitesse comme elle a. Puis alors, ce qu'il y a de beau, je disais, vous êtes co-éleveur parce que vous partagez ça avec votre grand ami Jean-Marc Davezac. Ça, c'est vraiment un couple qui vieillit très très bien, ça. Ah oui, on est un couple formidable qui dure. C'est ça la fidélité, quelque part. Il est quelque part dans un avion, il va voir sa fille là, à l'autre bout du monde. J'ai essayé de lui envoyer un petit message sur WhatsApp. Je ne sais pas s'il l'aura ou s'il le verra qu'à l'arrivée, mais il doit y passer fort. Là. Il doit stresser là, dans l'avion sans lui tarder de savoir. Racontez-nous un peu comment elle s'est formée cette association. Comment vous partagez cette aventure de l'élevage entre les sevrages, comment vous faites en fait pour vous répartir les tâches entre vous deux? Bon, l'association, c'est pas très glorieux. On était tous les deux, on avait 18 ans, on était souvent dans la même boîte de nuit. Et quand on refaisait le monde autour de notre bouteille de whisky, on a décidé de s'associer à élever des chevaux. Alors depuis, moi j'ai la mère, je fais naître des poulains, je les élève jusqu'au sevrage. Et Jean-Marc les prend et les élève à 1 an et 2 ans. Et avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. J'ai envie de vous dire, continuez de la sorte parce que ça a l'air de bien marcher entre déjà l'association avec tous les produits sur Folie du Pécos. Puis là maintenant, les produits des produits, c'est formidable. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'histoire continue, l'histoire est toujours belle. J'espère qu'elle va durer encore longtemps. On vous le souhaite aussi en tout cas. Merci Daniel, grand bravo.